Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous parler de, du off un petit peu du cours que je vous ai présenté sur la chaîne YouTube de l'université de Grenoble-Alpes et en fait en gros comment s'est passée cette aventure, qu'est-ce qu'il a fallu, si vous voulez vous y risquer vous aussi, à quoi vous devez vous préparer, quelles sont les embûches qu'on peut rencontrer, quelles sont les, les problématiques pédagogiques qu'on rencontre, quels sont les, les petits drames du quotidien euh, qui peuvent nous arriver. Alors j'ai pris quelques notes pour essayer de rien oublier et donc ceci... Euh, est un assortiment de conseils qui n'engage que celui qui les donne, hein, comme tous les conseils. Et euh, ces conseils euh, visent surtout les enseignants, hein, enseignants du secondaire, enseignants du, du supérieur, qui voudraient ouvrir un jour un cours, que ce soit intitulé euh, « Esprit critique, pensée critique, autodéfense intellectuelle, hygiène préventive du jugement » ou tout ce que vous voudrez, « zététique euh, », puisque ce que je vais vous raconter vous, vous y aider. Alors, si je devais rendre hommage à tous les gens qui m'ont aidé, ça prendrait un temps faramineux et je pense qu'on en aurait pour facilement une demi-heure, mais je vais devoir quand même au moins citer quelques noms, parce que sans eux, rien n'eût été possible. Et euh, donc la première chose, c'est euh, tout, tout a commencé en 2004 à, à la fac faculté de pharma de Grenoble. Et euh, c'est euh, grâce à ma collègue Christelle Routaboul, hello Christelle, que, que j'ai pu endosser par de vers elle la responsabilité du premier cours de pensée critique que j'ouvrais pour les pharmaciens, pour les futurs pharmaciens. Et en cela, je m'inspirais bien évidemment de mon mentor euh, de ma thèse, euh, le mentor de ma thèse qui, était, euh, qui est toujours euh, le professeur Henri Brock, qui avait monté des cours qui m'avaient particulièrement épaté, que j'avais pu suivre pratiquement en totalité. Et je lui ai fait la, le reproche un certain nombre de fois de jamais les avoir enregistrés. Et il ne l'a toujours pas fait d'ailleurs. Si ça se trouve, il changera d'avis un jour. Mais en attendant... Il n'y avait pas de trace de cela, donc avec ma mémoire, j'essaie de me, me, me rappeler qu'est-ce qui m'avait bluffé dans ces enseignements et comment je pourrais en ouvrir un de la même de la même sorte. Alors avec les pharmaciens, évidemment, j'étais plutôt contraint sur les, sur les sujets, mais arrivé en 2005, euh, 2005 euh, c'est la collègue astrophysicienne Claudine Kahn de Grenoble qui, euh, qui me propose de venir faire une conférence euh, dans le cadre d'un enseignement transversal à elle. Et, euh, et c'était une conférence sur le sujet, et alors après elle m'a dit, mais c'est est super, est-ce qu'il n'y a pas moyen de développer carrément une unité d'enseignement transversale euh, globale, c'est-à-dire 12 fois 2 heures. Et moi, j'ai dit euh, ni une ni deux, j'étais encore en thèse, j'ai dit eh, feu, allons-y. Et euh, donc, je la remercie parce que c'est grâce à elle. Euh... Alors, moi, j'étais en thèse, je ne pouvais même pas endosser euh, la responsabilité de mon cours. Donc, j'ai dû trouver des, 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 des prêtres noms euh, Je pense notamment à, à Jean-Philippe Attané. Salut, <laughs> merci à toi d'avoir endossé la responsabilité des conneries que je pouvais raconter. Et euh, il a fallu un petit temps pour que je devienne moi-même mon propre responsable. Alors, c'est euh, ce cours qui s'est monté sous le nom de « Zététique et euh, approche scientifique du paranormal » et de 2005 à 2009, je crois, ou 2008, il s'appelait comme ça, parce qu'il était assez centré sur le paranormal, vous savez que c'est un, un peu le leitmotiv de, de Henri, et puis moi c'était un, un, goût, un goût personnel, mais j'ai vite compris que euh, ça allait nous restreindre assez fortement sur les sujets, et mon but, euh, le but de mes collègues au Cortex et moi-même, c'est de développer une pensée euh, une pensée critique, du doute, un doute méthodique et qui soit euh, applicable aussi dans la citoyenneté et dans le, le rapport au monde de, du quotidien tous les jours, même en dehors des bancs de la fac. Et donc, euh, et donc euh, j'ai proposé de changer de nom. Et donc on s'est appelé zététique. On a appelé le cours zététique et autodéfense intellectuelle, histoire de ne plus se donner de bornes sur le sur les sujets. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, Que au départ, quand on lance un cours comme ça, c'est un petit peu la flip totale. C'est-à-dire que comme les sujets sont euh, nombreux, variés, et que les étudiants ont soif de savoir et posent des questions sur tout et n'importe quoi, allant de, du monstre du Loch Ness à, à la malédiction de la momie Eutsi, on, on est euh, vite désemparé. Et donc un des conseils que je peux donner, en tout cas, c'est de ne parler que de choses qu'on connaît. Euh, Méfiez-vous, ne bluffez pas, car quand vous êtes face à un amphithéâtre de 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, vous multipliez les chances que quelqu'un dans la salle connaisse quelques détails qui vous échappent. Et si vous bluffez, vous risquez de prendre une avalanche, c'est-à-dire un amphithéâtre qui se referme sur vous. Alors ça ne m'est jamais arrivé, je touche du, du bois, et, euh, et j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Mais j'ai déjà vu ça, et c'est assez effrayant. Donc ne bluffez pas. Euh, si vous, enfin, une fois qu'on est identifié comme enseignant la pensée critique, Évidemment, le jeu pour les étudiants c'est d'être un peu vos snipers. Donc vous êtes face à 300 snipers qui vous guettent au tournant. Et si vous dites une, une bilevese ou une annaie, une ils ne vous rateront pas. Donc en tout cas, ne faites pas semblant de savoir quand vous ne savez pas. C'est un peu l'école du doute et de toute façon c'est ce qu'on enseigne. Donc moi j'ai absolument aucune honte, quand on pose une question sur un sujet que je ne maîtrise pas, de leur dire attendez je, je vais aller le travailler, à la semaine prochaine, je vous en reparlerai. Euh, techniquement parlant, je me retrouve sur une chaîne YouTube. Alors vous savez que, les, que, les, que le, le collectif auquel j'appartiens, le Cortex, on s'est toujours positionné plutôt rétif euh, aux médias euh, de l'information qui ont des capacité tentaculaire comme Google, et donc euh, le matériel Google, on l'a toujours évité, on privilégie les solutions libres, so, sans, sans propriété intellectuelle, et on n'est pas sur les réseaux sociaux, ce qu'on nous reproche assez souvent. Euh, seul problème, c'est qu'on ben, voilà, paye les, les conséquences de cela, euh, Google a une position assez monopolistique maintenant, et de toute façon, euh, l'université a ce chaî ce, cette chaîne-là. Et donc, euh, c'est un pis-aller pour moi. Ça m'est assez difficile d'accepter d'aller me mettre sur YouTube. Mais de toute façon, j there is no alternative maintenant. J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop d'alternatives. Donc, euh, si j'en trouve une, je vous garantis que j'irai mettre euh, le contenu avec l'autorisation des collègues du service audiovisuel là, euh, sur, sur d'autres supports. Bon, En attendant, euh, voilà les cours sur YouTube. Donc, euh, ben, serv... servons-nous-en. Alors je remercie les appariteurs, hein. on ne les voit pas parce qu'ils sont toujours derrière là-bas, les appariteurs, ceux qui viennent quand le diaporama bug, quand euh, le, le vidéoprojecteur part en sucette, quand euh, tout flambe, quand le magnétoscope, car au début j'avais un magnétoscope, euh, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et euh, le magnétoscope euh, parfois buguait, donc euh, j'appelais au secours et il venait tout le temps, donc il y en a une palanquée qui, euh, qui est venue me filer des coups de main, je, 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 je les remercie vraiment beaucoup. Et, euh, et puis là, l'équipe du service audiovisuel, bon, là il y a Jamel qui est derrière, et si je le dis, il va rougir, mais ils ont fait un boulot formidable. Alors au départ, on, 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 ça n'intéressait pas grand monde de filmer ces cours, et enfin, il n'y avait, avait pas un engouement particulier. Euh, on pensait faire ça nous-mêmes. Et donc là aussi, je louange Ismail Ben Slimane, mon collègue, parce qu'on on s'est retrouvé. Euh, je, 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 je vous cache quelques détails, mais on s'est retrouvé dans une grotte au fin fond de la forêt, en train de faire des rushs. Pour euh, essayer de s'enregistrer. On, on, a, on a chopé froid tous les deux euh, dans un courant d'air épouvantable et on a renoncé au bout d'un épisode. Autant vous dire que l'épisode est collector. Et donc merci, Ismaël, d'avoir essayé. En tout cas, euh, peu de temps après, toute une équipe de gens euh, que vous verrez sur la fin des, sur la fin des génériques de, de chacun des cours a bossé, ils ont œuvré et ils ont fait un travail formidable. Alors ils m'ont cramé un peu la figure parce qu'il y a des projos qui envoient la. Qui envoient la, qui envoient la, qui envoient la la, la, la lumière, ils m'ont contraint, ils m'ont presque vissé par terre pour que je ne bouge pas trop, parce que j'ai tendance à bouger. Euh, donc, ce n'était pas une partie de plaisir que ces cours-là. Ces cours ont été enregistrés de janvier, fin janvier 2017 à mai 2017. Euh, comme il y a un morceau du cours 3 qui manque, probablement on le donc en octobre. Là, on, là je vous parle aujourd'hui, on est en septembre et on, on fera un raccord. Je ne vous dirai pas pourquoi il manque un bout, euh, mais il est arrivé. Euh, L'équipe audiovisuelle a eu un malaise. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait le dire. <laughs> on a beaucoup rigolé. Et euh, parfois, euh, mes cours, j'ai fait venir des invités, notamment quand on faisait on couplait ça avec des conférences. Et j'essayais de faire en sorte que quand il y avait conférence, par exemple le soir, eh ben, avant, je, je les calais souvent le mardi. Et quand j'avais des invités de marque ou de renom, je les faisais, je les faisais intervenir dans mon cours. C'est pas toujours facile parce qu'il faut qu'ils soient raccord avec ce que j'ai raconté, puis faut il faut qu'ils soient raccord avec le contenu. Si y une pointure comme Jacques Vandrillard, par exemple, qui est un, un bon ami, vient parler de la critique de la psychanalyse, mais qui vient le jour du premier cours, bon, les étudiants, ils, ça va être une masse qui va leur tomber sur la tête et ça risque d'être indigeste. Donc il faut bien caler les timings. Et les timings, ils sont un peu contraints par les contenus. Et j'ai tout tenté en 12 ans. J'ai fait 24 fois ce cours euh, à l'Université de Grenoble, et donc deux fois par an, 12 ans. Et j'en je, suis arrivé à une forme qui me satisfait, qui consiste à une grosse part d'épistémologie au début et, et du B à bas, des choses qui peuvent paraître assez banales mais qui m'ont rendu énormément service ensuite. J'ai essayé de temps en temps de tronquer ces parties, là, les parties cours 1, cours 2 que vous pourrez voir. Euh, et en fait, j'y suis revenu parce que euh, si on ne s'entend pas sur ce que c'est que la science, si on ne s'entend pas sur ce que c'est que le matérialisme en méthode, si on ne s'entend pas sur ce que c'est que ce qui est et les postulats axiologiques de base de, de, de la connaissance, bah, c'est le foutoir, tout le monde se prend la tête, on ne se comprend pas. Donc, euh, comme disent les philosophes, euh, euh, il faut, faut, faut s'entendre sur les mots euh, au début. Donc, il y a un peu un timing, euh, c'est un peu l'alphabet au début, et puis ensuite, c'est facile d'élargir. Alors, après, je, je, plus, plus les cours avancent et plus j'essaie d'élargir l'horizon. Au total, j'avais à peu près, euh, en, en 12 ans, j'ai dû réaliser une trentaine de cours. Certains avaient des formes qui n'étaient pas magistrales comme ça. Il y avait des formes plus de débats, mais là, ça ne s'y prêtait pas, évidemment, à être filmé. Donc, j'ai vraiment évacué euh, pratiquement toutes les formes de débats. Euh, il y avait des débats euh, incrémentiels. Euh, bon, je vous en reparlerai peut-être une autre fois, mais bon, j'appelle ça comme ça, euh, des débats où, en fait, à chaque fois que je balance une petite, euh, une petite injonction en plus, un élément en plus, une vidéo en plus, un extrait radio en plus, euh, les étudiants construisent, les étudiants et étudiantes construisent euh, euh, une pensée de plus en plus élaborée. C'est une sorte de maïeutique collective tout à fait sympa. Euh, sinon, j'ai emprunté aussi... Je remercie Nicolas Gaillard, respect. Euh, Nicolas Gaillard de la Scope L'Orage, merci pour les méthodes, euh, euh, notamment celle de, du débat mouvant, parce que le débat mouvant qui consiste, à, euh, qui consiste à poser une question clivante, partager un amphithéâtre en deux ou un groupe en deux, permettre un système qui fait que chaque groupe peut prendre la parole avec chaque groupe qui donne à un ou une représentante la parole. Et euh, permet ça, ça permet d'avoir un débat contradictoire à grands groupes. Et avec euh, changement de position possible, de manière à voir l'impact de chacun des arguments qui est développé. Et donc, euh, merci pour ces méthodes-là. Elles sont chouettes. On vous les verrez peut-être pas toutes dans les, les vidéos. Il y a pas mal de choses, donc, de contenus que vous aurez, vous aurez pas. Là, je dirais que c'est la forme que vous allez voir. C'est la forme la plus aboutie et je dirais la moins interactive, parce que de toute sont filmés. Ça voulait dire, si je faisais des débats, filmer les gens qui posaient des questions, filmer la salle. Il faut des autorisations. Les, 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 les étudiants, étudiants n'ont peut-être pas envie qu'on voit leur, leur funch à, à, à l'écran. Et, euh, et prises de son, enfin, c'est la misère. Donc j'ai renoncé à toute forme de, de débat comme ça. Mais c'est un petit peu plus interactif que ce que vous avez pu voir. Euh, je remercie aussi les, tous, les, tous mes collègues, hein, ils sont venus voir. Et euh, je, je remarque qu'il y a des enseignants qui n'ont pas tellement envie qu'on vienne voir leur cours. Je me suis heurté parfois à des freins comme ça, pas toujours, mais des gens qui disent Non, je n'aime pas trop que tu viennes dans mon cours. Pourtant, moi, je n'interviens jamais quand je viens dans le cours d'un collègue. Moi, je suis très content quand des collègues viennent, hein, surtout quand ils sont plus pointus que moi sur le sujet, parce que. Bah parce qu'ils me mettent une misère, après ils me disent bah, Tu sais, c'était pas bon, ça c'était pas bien, ça c'était mauvais, ça c'était consternant, euh, ça c'était bien. Ah tiens, j'ai appris un truc. Alors je, je suis tout fier quand ils apprennent un truc. Et c'est grâce à ça que j'ai pu corriger. Par essai et erreur, j'ai pu corriger. Et euh, quand ils me mettaient une grosse, grosse louche, j'allais repotasser les bouquins qui me manquaient. Et donc merci à eux, il y en a tellement que je, 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 ne, peux, je ne peux leur répondre. Puis, il y a des gens qui ont participé de manière euh, plus discrète. Je pense notamment à François B., le graphiste. Respect François B. Parce que François B, il a il a concocté euh, nos logos, il m'a concocté des faux, c'est-à-dire des, des images qui sont fausses, truquées pour mes cours. Euh, il m'a fait plein, plein de choses assez inouïe Le t-shirt qui est là, il a fait plein, plein de choses. Et donc, merci François. Euh, vous retrouvez son site françois-b. Vous le verrez sur la fin du générique, hein, si vous regardez le, le générique du début euh, attentivement. Il y a aussi des gens qui ont participé au jury. Je vous en parlais tout à l'heure, il y avait des juristes et dans un, un modèle de. D'évaluation qui a un petit peu changé depuis, mais j'avais eu des jurys. Il y a des gens qui ont été d'éminents représentants, d'éminentes représentantes de, de jurys. Alors je, je rends hommage à, à Sandra Gioponi, par exemple, à Géraldine Fabre d'un autre bord, à, à Nicolas Vivant qui est venu, enfin plein, plein de camarades comme ça qui sont venus prêter leurs compétences critiques à l'évaluation des dossiers des étudiants. Alors les, les, je pourrais vous raconter tout ce qu'on me dit qui est bien dans mes cours. Euh, et il y a des trucs qui semblent être bien, puisqu'il y a des étudiants qui reviennent, il y a des étudiants qui ramènent leur famille, il y a des étudiants qui, comme c'est un cours ouvert, et merci à l'université d'avoir accepté de l'ouvrir publiquement, il euh, ben, y a du monde qui vient. Donc je me dis que bon, ça doit marcher. Si je me fie au témoignage que j'ai à la fin des cours, euh, alors à la fin des cours, moi, mes cours font deux heures, et généralement je prévois un laps de temps de deux heures au moins, voire trois, parce que le service après cours, ben, quand c'est sur des sujets qui sont... Effectivement euh, marqué et lourd comme ça. Je vous donnerai quelques détails tout à l'heure. Euh, les discussions vont bon train, sont riches, sont intéressantes, sont captivantes, sont troublantes parfois et, et nous amènent des fois jusqu'à 23 heures. Donc je, je, je remercie aussi ma famille qui accepte que je rentre aussi tard le mardi soir. Merci, Brrr, merci. Et euh, mais je vais vous parler surtout des difficultés parce que je me méfie de ce qu'on appelle le biais d'attrition dans l'art de la critique, c'est-à-dire si je me fie aux gens qui viennent me voir à la fin des cours, j'ai l'impression que tout le monde est content, tout le monde est dithyrambique, tout le monde est ravi. Mais en fait, les mécontents, eux, ils sont partis, euh, ils sont partis en maugréant ou peut-être en insultant. Il y en a peut-être qui ont détesté. Et eux, je les vois peut-être pas. Et donc, je ne sais pas dans quelle mesure certains ont pu être choqués, froissés, mécontents, euh, insatisfaits. Euh, et donc, euh, je me méfie beaucoup de, de cette espèce de biais de sélection que je peux avoir si je ne me fie qu'aux gens qui viennent me voir à la fin des cours. Alors, alors moi, je vais vous parlais des difficultés, toutes les difficultés que j'ai eues. Alors... <laughs> Il y en a un paquet. Euh, euh, par exemple, euh, la taille de l'amphi. Bon, premier, premier problème, la taille de l'amphi. J'ai commencé dans, un, dans des amphis qui faisaient 180 places. Bon, en enfin, farmage, dans des groupes de 30, ce n'est pas le même contexte, mais en cours d'amphi, 180 places. 180 places, je dirais que ça reste encore convivial. C'est-à-dire que vous pouvez encore imaginer pouvoir repérer les gens, leur donner un prénom, euh, les retrouver, les recroiser. Euh, quand on passe, comme il y a 2-3 ans, là, euh, à la taille du dessus, euh, à l'amphiveille. Merci d'ailleurs à Saïda Tejar qui, qui. Big up Saïda Tejar pour euh, les réservations et tout. Saïda, euh, me, me, donc Malou, l'amphi de 800 places. Alors, il n'est pas plein, hein, mais même moitié plein. Déjà, ça vous fait une belle montagne devant vous. Et ça devient, en plus, avec la pénombre, très très difficile d'identifier les gens. Donc ça rend un peu impersonnel le truc. Donc tout est dans le ratio. Et c'est un gros débat en, euh, avec mes collègues. C'est est-ce qu'il faut revenir à des tailles modestes C'est un peu le même problème qu'avec, je ne sais pas moi, des scènes de, de musique. Revenir à des tailles modestes euh, pour avoir un rapport plus chaleureux, je dirais, plus, plus personnalisé et aller peut-être plus loin Ou est-ce qu'il euh, faut accepter de faire un cours qui, euh, qui est euh, généraliste, grand public, un peu plus impersonnel, euh, mais qui touche pas mal de gens qui peut-être auront envie ensuite de retourner dans des modules plus spécifiques Et il y en a, Dieu sait qu'il y en a, car euh, le Cortex produit pas mal de, de, de modules pédagogiques euh, dans divers euh, niveaux. Et on a opté pour cette option, la deuxième. C'est-à-dire, euh, euh, bah, tant pis, euh, faisons de ce cours une espèce de, de créneau d'ouverture, que ce soit un moment où les étudiants apprennent euh, qu que ça existe, et ensuite peuvent rebooter avec des, 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 des contenus qui sont plus pointus, que ce soit en santé, que ce soit en sciences politiques, que ce soit en physique. Il euh, y a moyen de rebooter ensuite vers des, vers des modules qui sont plus pointus, jusqu'en doctorat d'ailleurs. Le cours que je fais là, il est aux licences 1, 2 et 3. Au début, il n'était que licences 1 et 2. Pire, au tout début... Il était aux licences 1 et 2 de sciences expérimentales seulement. Ah, vous savez, ce fameux clivage tout à fait euh, navrant entre sciences expérimentales et sciences euh, humaines et sociales, comme s'il y avait une espèce de mur de Berlin entre les deux, une espèce de truc euh, étrange. Je vois pas mal de collègues qui défendent encore cette idée-là, qui est à mon avis caduque, délétère, pauvre et navrante. Euh, donc euh, il a fallu que je force un peu le, le, le bouchon, et pour me rendre compte à la fin que malgré tout, l'amour que j'ai pour le travail que, que font... Euh, les, les gens de l'administration à l'université. en fait le, le blocage n'était que administratif et c'était des, des usages à l'université qui étaient un peu euh, différents et il a juste fallu prendre le temps de deux trois cafés et discuter un petit peu pour que tout le monde se réconcilie et qu'on arrive euh, à ouvrir au L1 L2 toute discipline confondues. <coughs> Pardon. Et euh, si ce n'est santé qui fait partie enfin, c'est notre, notre, notre espèce c'est un autre monde mais euh, on les retrouve dans un cours spécifique qui s'appelle Santé Autodéfense Intellectuelle. Un, mais c'est un autre monde. Ce n'est même pas le même campus, pour tout vous dire. Voilà. Et donc, ça a pu s'ouvrir à tous. Euh, J'essaye je, de ne pas aller euh, euh, en Master 1. Je pourrais ouvrir ce cours en Master 1, mais en fait, euh, j'aimerais vraiment qu'on les prenne en tenaille, les étudiants, sur euh, euh, la L1. Maximum de L1 touchés possible et ensuite les retrouver après en doctorat, et pour ceux qui feront carrière. Et donc, tout le cours est indexé. Vous verrez, il y a des trucs assez simples, il y a très peu de calculs. Je mobilise assez peu de statistiques, euh, voire peut-être un petit peu. Euh, je ne je fais, je fais sors pas des gros chiffres, je ne fais pas de la grosse épidémiologie, euh, euh, parce que je, je souhaite que je souhaite que ce cours soit appropriable par des étudiants qui vont disparaître, au sens universitaire du terme, c'est-à-dire qu'ils vont s'en aller. Euh, moi ça les gens qui vont rester, qui vont faire carrière, sont des gens qui, qui auront l'occasion de retrouver de la pensée critique de partout. Alors que ceux qui se font soit vider, soit s'en vont, soit n'ont pas fait le bon cursus et finalement se retrouvent à devoir aller sur le marché du travail assez vite, c'est à eux que je veux m'adresser. C'est à eux que les collègues et moi, on souhaite s'adresser. C'est eux qui font euh, l'avenir. C'est eux, eux la masse de gens euh, importantes à toucher.